Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue à Écho des Heures, particulièrement à la rubrique Atizan. Bien avant, observons une toute petite pause. On vous revient dans un instant. Yeah! Samedi show sur Télépacifique. Et oui, le show le plus chaud. Votre show revient sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8h. Musique, danse, slam, poésie, mode. Wow! Peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre des moments de bonheur uniques. Restez branchés, restez branchés. Merci d'être encore branché. L'artisan du jour est bien Élisée Ruben qui va nous présenter différents accessoires, à savoir boucles d'oreilles, sandales, bracelets, qu'il confectionne à travers son atelier se trouvant du côté de Léogane. Il était au micro de Marie-Galène Gédéus et Joseph-Philippe François. Suivons. Zami rubrique Atizan, c'est avec même contentement nous rentrer la caillou pour nous porter un nouveau rubrique pour aujourd'hui. Nous avons l'occasion de recevoir pour vous Élisée Ruben, qui est un jeune artisan qui a fait un bel travail dans le secteur. Il fait diverses œuvres. Nous allons parler avec lui aujourd'hui, lier connaissance avec lui pour nous connaître comment ça est pour lui dans le secteur. Comment est-ce que je dis à c'est un plaisir vraiment pour nous recevoir dans vos bicatisans. Ma femme Galens, merci, c'est un plaisir pour moi et tout pour moi avec nous aujourd'hui. Voilà, et on nous rentre directement, qui est-ce Ruben? Ok, Ruben, c'est un jeune artisan qui a évolué Léogane dans le secteur artistique. Nous travaillons dans plusieurs domaines, en peinture, en vêtements, en sandales, en bracelets, etc. Donc, c'est en quelque sorte ça. Et depuis qu'il est là, on même rentré dans le secteur ça? Disons tout petit, mais vraiment excellé là-dedans depuis 2016. C'est le ça, moi commencé à prouver vraie valeur, moi travail, puis déplacer, participer dans la foire, tout ça. Donc, j'ai commencé là. Mais qui s'est fort pour chimer ça? Bon, c'est juste un sentiment, comme des cas dit ça, moi j'aime ça. L'aime la donne moi bay tout comme moi tout dans moi et ça fait un plaisir de réaliser moi après de réaliser un œuvre pour une demoiselle c'était un petit collier pour la première fois mais demoiselle là était belle en pile et puis moi fait le cadeau il mettait ça fait un plaisir déjà il mettait mais après il vient féliciter m'a dit moi wow, Angel fort au travail bien tout ça donc ça fait bien susciter me travailler plus mon décal il est réaliser plus activité. OK mais généralement et artisio il toujours gagne un atelier côté fonctionner. Il y a un nom tout. OK. Ou même est-ce que vous atelier, est-ce que vous connaissez comment ça est? OK. Non atelier non, c'est qu'est-ce qui est la création. Nous travaillons les organes et là nous avons tout matériel dans tout bain honnête. Moi réalise un peu le bagage. Déjà sur mettre sur plan économique, lié des mon pile avec étude moi, lié des réaliser un pile tout m'a espéré. Gen met di gen prop met di ti machine pam jan moun yo rele ti temelian donc m fon effort avèl mwen procurer youn bon gen lòt projet toujou men c'est grâce à li ki fè m ka di mwen mete atelier an kanpe mwen réalize kèk lòt ti soti tout ça donc c'est en quelque sorte ça mwen travay pou kont mwen parfois tan kon nan création idéo men gen lòt moun ki fè pati de atelier avèm. OK men entourage ou auparavant fami ou comment yo te wè activité? Au début, il n'est pas facile vraiment, surtout pour maman, mais puis papa moi, il était plus vlé tant pour me penser sur notre carrière, il était dit que elle pas vraiment tout ça au souhaité pour moi d'ailleurs c'est une famille religieuse tout ça. Mais il était font façon accepter parce que était moi même. Parce que me dit presque tout est fort, tout ça me déployer même si c'était l'école moi parfois quand on connaissait ralenti sur Arlan pour lui mais était qui t'a venu sentir fait partie de moi. Et ça en quelque sorte t'es laissé aux opportunités pour essayer de laisser performer là-dedans. OK, pour parler nous de l'école, ça prouve nous que l'école toujours. Mais est-ce que côté artistique là pas prend pied sous cause de l'école là?
Non, il n'y a pas fait aucun effet. Donc l'école, moi, je veux dire, bon, l'école classique est terminée déjà, c'est fait universitaire. Donc il n'y a pas fait aucun effet. Au contraire, il a aidé pour m'agrandir, entrer dans plus de communauté, tout ça, et puis faire plus de contact. Okay. Mais qui est plus bon le vraiment ou trouver qui propice pour travailler? Ok, c'est surtout dans l'après-midi, tant qu'on a l'heure, on côté qui pas de monde du tout, qui calme. La donne qui doit attendre quelques musiques, mais surtout musique antique, tant que Manu Chalmay, l'autre petite musique, tant que Toto Bissette. C'est style musique qui est vraiment adapté, qui est démotivé, qui fait une inspiration, qui doit créer n'importe quelle belle et tout ça. De jour en jour, un pile jeune a pris entrer dans la cause artisanale. Okay. Et aussi, on a dans l'eau, on fait un paquet de bel travail et un paquet de jeunes qui ont fait bel travail, oui. Ou habitué à participer dans la foi, tout ça. Dans 5-10 ans, comment est la cause artisanale en Haïti? Ok, dans 5-10 ans, pour ne pas oser, tant qu'on pense pour diriger l'eau, mais si vraiment nous jouons un monde qui encadre et qui bat nos valeurs, comment on peut classifier? On top, non, au level, parce que moi, il y a un pile jeune qui a Haïti qui travaille belle, qui fait un pile belle œuvre. Donc, si seulement rejoindre une sorte d'encadrement, ou bien si le plus structuré ça a fait, hein, donc, la voie. Ok, mais vous-même, et personnellement, qui sont des difficultés au conjoint? Ok, difficulté que rencontrer, c'est que parfois, quand il y a quelques associations, je me dis qu'il y a quelques groupes qui ont fini essayer de faire un travail, mais à cause de quelques petits bons pas, on est ça qui passé, ça vient quand changer plan d'action, plan de travail. Moi, parfois, qui quand domine, imaginons qu'il doit redire comment c'est fait un travail, et puis à cause de quelques petits problèmes, et puis il doit dire laisser tomber tout ça, ou bien il n'y a pas assuré tel bagage. Donc ça, quand il m'était mal à l'aise. Ça et qui gagne en commun la caille artisan yo. Et chaque ça moi rencontré, chaque artisan moi rencontré, toujours félicité pour tout ça. C'est question partage, okay. Question séminaire, formation, travail avec l'autre jeune. Okay. Est-ce que ça convient ou même pour travailler avec l'autre jeune? Oui, on fait ça assez souvent. Actuellement là, les organes, il y a quelques jeunes qui prennent sous quartier, moi partager des idées, surtout là. Je me mets dans ma cramée, parce que je travaille là-dedans tout, m'acheter matériel propre, matériel pas moi. Et puis, je réunion côté, je travaille avec eux. En façon, pour essayer, même tout, pour faire chemin, pour voir que vient va assez difficile et que vous n'avez pas n'importe quoi demain. C'est très bien. En tout cas, avant l'émission en fini, et Élisée va donner une petite démonstration sur cause du bracelet, comment elle fait le bracelet très rapide là. Parce que j'en dis, hein, Élisée sortit juste les organes, ça qui fait vraiment nous pas gain occasion pour nous aller dans l'atelier. Mais lui-même, assurer le marché avec le matériel pour lui faire ça. Oui. Oui, Élisée, ça va faire pour nous là. Donc, c'est déjà bracelet work. Exactement, oui. Ok, mais qui ça, on va l'utiliser, comment on va faire ça là? Ok, bon, on peut utiliser l'élastique pour me créer, on peut utiliser quelques petits lettres, non? Qui fait avec plastique tout, ma bien perle m'a pu utiliser pour lui, qui c'est une série de mab, qui résiste en pile, et puis ciseaux pour couper l'élastique là tout ça. Donc c'est pas difficile? Non, c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile pour moi qui te connais. Exactement. C'est pas trop difficile pour moi qui te connais, mais pour moi même là, je vais aller sur un paquet de travail, je dois tout après-midi à pas suffire pour finir faire. Bon, peut-être. Personnellement, comment est le monde artistique en Haïti? Bon, il est plutôt rude, mais il est agréable. Parce que dès que, comme c'est une sorte d'opium, pour moi, toujours dit, surtout, il y a des trucs qui sont difficiles, mais dès qu'on lance la donne,
au sens où à l'aise. C'est comme ça que moi, je fonctionne, je me dis, je me sens mieux là-dedans. Ok, et Élisée, quand est-ce que toutefois, on monte à aimer visiter l'atelier dans les organes? C'est comment le café ça? Ok. Bon, adresse nous c'est Guérin, bon l'école nationale là, nous travaillons là. Nous avons un numéro de téléphone, nous avons un compte Facebook, nous qui c'est qui ce qui a création tout, ou je nous soulier, puis nous avons un mail tout ça qui est utile pour contacter. Donc depuis on monte, monté l'image qui ce qui a création, la voiture en contact. Exactement, qui ce qui a création, qui ce qui en créole, KIS, KAYA et puis création en français. Et pour le numéro de téléphone là? C'est 38 27 65 70. Donc, le monde allait sur le compte, sur qui est la création, est-ce qu'il y a en image, à part des émissions à la vie, si on peut se dire l'image, est-ce que la poète tout travail ou fait? Oui, la poète tout. Dans tout domaine honnête, qui peu importe tes peintures, tes sandales, tes vêtements, tes bracelets, tout net, tout. Eh bien, ok, moi je me fais ça à Élisée, yo message vraiment, yo message avec toute jeune okay. Qui a regardé ou qui t'a aimé prend même chemin avec. Ok, ça mon conseil non, c'est que depuis nous avons une vision ou bien nous avons une idée pour un truc, pas occuper personne qui dit que nous pas rien avec. Donc travail, mettez sérieux dans ça faire et puis améliorer tout ces trucs, bête pour travailler avec l'amour. Parce que je me dis, tout ça nous est, il définit par ça nous prend pour nous faire vivre. Merci. Eh bien, d'accord. D'accord, merci. C'est vraiment, nous sommes vraiment contents de recevoir aujourd'hui dans la rubrique Artisan et nous espérons vraiment dans ça ou même dans le chemin entrepreneur, ou arriver là-dedans, ou réaliser tout le rêve là-dedans. D'accord, merci un peu, Galens. Voilà. Voilà, amis téléspectateurs, ou même qui aiment regarder Rubrique Artisan, je dis, on était bien content de faire lier connaissance avec Élisée Rubin, qui est un jeune gens dédié dès le début, qui a fait un travail sérieux dans la question artisanale. Si ça nous fait, si ça nous continue à faire, c'est encourager chaque jeune, encourager chaque artisan, chaque artiste qui a fait un travail pour représenter le pays, pour faire fierté nous. Donc, c'est là que nous mettons un bout de jeudi dans la rubrique ça, de brancher Télévision Pacifique, surtout émission Écho des Arts. Quant à Rubrique Artisan, nous bon rendez-vous pour un autre numéro. Merci d'avoir suivi avec attention cette toute nouvelle sortie d'Écho des Arts, particulièrement la rubrique Artisan. Restez de brancher la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.